cette année, en 2013, nous fêtons le 130e anniversaire d'Edison. Il y a en effet 130 ans que Edison a approvisionné en énergie électrique la Scala. Pour la première fois, on avait un bâtiment public et l'Opéra qui était illuminé par l'énergie électrique et c'était fourni par Edison. Les centrales hydroélectriques qui ont été construites à cette période-là fonctionnent encore et permettent cette année encore d'assurer que la première de la Scala soit produite sans émission de CO2 puisque nous fournissons de l'énergie renouvelable. Alors, l'histoire d'Edison jointe à l'histoire de la Scala montre combien Edison a été associé au développement de l'Italie dans ces 30 dernières années. Et bien entendu, nous souhaitons très fortement continuer à être un acteur important de l'industrie italienne, de l'industrie de l'énergie italienne. Et bien sûr, maintenant, pour jouer un rôle de challenger des autres fournisseurs d'énergie électrique auprès du plus grand nombre de clients possible, mais aussi d'être un investisseur, malgré la difficulté de la conjoncture économique, un investisseur industriel important. Et nous avons récemment annoncé qu'Edison allait investir 1 milliard d'euros en Italie dans les 3 prochaines années.